voici le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Un pas, s'il vous plaît. Quoi donc? Reculez un peu pour la troisième. Madame, monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur, que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur, de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi le mérite, pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le ciel, en lieu de mon bien, monsieur Jourdain, en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments, et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez dans toutes ses manières. Je n'ai pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. C'est trop d'honneur que vous me faites, monsieur. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce. Prenez bien garde, au moins, à ne lui pas parler du diamant que vous lui avez donné. Ne pouviez pas un point seulement lui demander comment elle le trouve? Comment? Gardez-vous-en bien, cela serait vilain. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui aussi était ce présent. Monsieur Jourdain, madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Je ne sais quelle grâce vous en rendre, monsieur. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Et songez à manger. Comment t'en honte? Voilà un repas tout à fait magnifique. Vous vous moquez, madame, et je voudrais qu'il vous plût digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Et il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné, et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis. Vous n'avez pas ici un repas fort savant, et vous y trouverez des incongruités de bonne chair et des barbarismes de bon goût. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance, et comme Monsieur Jourdain a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je ne réponds pas à ce compliment qu'en mangeant quand je fais. Ah, que voilà de belles mains. Oh, les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain. Mais vous voulez parler de diamant, qui est fort beau. Moi? Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas d'agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Allons, condamne du vin à Monsieur Jourdain et à ces messieurs qui nous font la grâce de nous jouer un air à boire. C'est merveilleusement assaisonné la belle chair que dimule la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. Madame, ce n'est pas de quoi... Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces messieurs. Ce que nous dirons vaudra mieux que tout ce que nous pouvons en dire. Ici encore quelque chose de plus beau. Oh, monsieur Jourdain est galant plus que je ne pensais. Comment, madame? Pour qui prenez-vous, monsieur Jourdain? Je voudrais qu'elle me prie pour ce que j'y dirais.
connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Oh, je le quitte. Il est homme qui a toujours la riposte en main. Mais vous ne voyez pas, madame, que Monsieur Jourdain mange tous les morceaux que vous touchez. Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Si je pouvais ravir votre cœur déjà. Ah, j'ai trouvé si bonne compagnie. Et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas.